Thiago, eu sou produtor aqui do Instituto Tamiotaki e essa é uma conversa que faz parte da websérie Entrevistas, Interdisciplinaridade na Arquitetura, que acontece no contexto das ações educativas do 8º Prêmio de Arquitetura, Instituto Tomioyuki Akzo Nobel. Diego Mauro, curador assistente do Instituto Tomioyuki, Pierre Alain Trévelot e Antoine Vigier-Collet, do TVK, vão conversar sobre arquitetura e infraestrutura. Agradeço o patrocínio da Akzo Nobel e o apoio do Consulado da França em São Paulo e da AFEX, Associação de Exportação de Arquitetos Franceses. Diego, deixo a palavra com você. Essa iniciativa é muito importante para o Instituto Tomiotaki, né, cujo tripé do Instituto consiste nas artes visuais, na arquitetura e no design, né? Então, o Instituto tem uma trajetória de reflexão arquitetônica brasileira e também internacional a respeito da arquitetura, né? E nós contamos com uma série de exposições relacionadas à arquitetura e conversas também, né, com arquitetos nacionais e internacionais. Esse ciclo de conversas que nós estamos, que hoje é o encerramento, né, dele, nasceu da ideia original de trazer um pouco da prática cotidiana de escritórios franceses, sempre levando em conta, inclusive, essa diferença entre a realidade brasileira e a realidade francesa também. Então, fazer uma breve apresentação, né, do escritório para quem está nos assistindo, né, o TVK é um escritório internacional de arquitetura e planejamento urbano, criado em Paris em 2003, pelos que estão aqui presentes, né, Pierre Alain e Antoine Vigier-Collet. O escritório, ele opera em várias escalas e também tem essa interseção entre o prático e o teórico, que estão sempre um presente em relação ao outro. E tem alguns termos muito interessantes que a gente vai discutir hoje, né, como a abordagem da terra como arquitetura, a infraestrutura como estrutura geológica. E a gente vai conversar um pouco a respeito desses temas hoje. E eu queria também trazer uma observação que existe um Entre português e francês existem alguns falsos cognatos que eles vão aparecer nessa conversa, né? Porque um termo muito importante para o TVK é o scénario. A tradução mais óbvia para português seria cenário. Então, mas o que acontece é que o scénario, em português, a gente entende como roteiro ou script, né? O que é cenário em português é a mise-en-scène. Então, enfim, tem um pouco essa confusão que pode ser interessante também para a gente abordar em algum momento, né? Mas, enfim, e aí vamos aqui para a nossa primeira pergunta, né? Puxando justamente para esse aspecto que chama logo a atenção ao modo como o escritório se define, que é o objetivo do TVK é tomar posse da complexidade e da natureza paradoxal da situação terrestre contemporânea e torná-la habitável. Então, gostaria de começar por esse ponto, pois essa afirmação é chamativa e também enigmática, né? Estamos assumindo aqui, de alguma forma, um ponto de partida de que a Terra se encontra inabitável? Seria isso, né? Em que termos vocês estão colocando essa proposição? L'idée de cette phrase n'est pas de dire que la Terre est inhabitable, mais que, en tout cas, habiter la Terre ne va pas sans poser des questions, n'est pas une chose évidente, et peut-être surtout pour les êtres humains, plus encore peut-être que pour d'autres êtres vivants. Les êtres humains, historiquement, ont quand même lutter et dû inventer tout un tas de techniques pour habiter la Terre, encore plus que d'autres êtres vivants. D'ailleurs, les êtres humains sont des animaux qui ne sont pas particulièrement à l'aise. Ils ne voient pas dans le noir, ils ont besoin de vêtements, ils se blessent facilement, leur peau est pas d'une robustesse incroyable. Donc, c'est sûr qu'habiter la Terre n'est pas la chose la plus facile. Et puis, aujourd'hui, on voit bien que la Terre, c'est pas une dimension inerte, c'est pas quelque chose, c'est pas un corps inerte, c'est pas quelque chose qui ne vit pas, c'est pas quelque chose qui n'a pas de réaction. La Terre est en permanence en train de changer, d'évoluer, et le régime climatique
en transformation dans lequel on est montre que la Terre est difficile à habiter de toute façon. Donc, contribuer à essayer d'habiter la Terre, c'est les êtres humains, de savoir comment est-ce qu'on peut habiter la Terre, mais c'est aussi une question pour la Terre elle-même, de savoir comment est-ce qu'elle peut continuer à accueillir les êtres vivants qui la peuplent. Consta, né, no site de vocês, uma equipe de cerca de 50 funcionários, né? E como se dá esse processo de desenvolvimento do projeto, né, dentro do escritório? Existe alguma rotina de desenvolvimento que seja comum à maioria dos projetos? Quais são as etapas de projeto e criação contempladas? Enfim, e aí, logo em seguida, inclusive, vou perguntar a respeito das maquetes, né, que é algo que chama muito a atenção. Existe uma atenção muito primorosa, né, nas maquetes do escritório de vocês. Le processus de création à l'agence, il s'appuie d'abord sur une activité qui est multiforme, considérant que notre pratique d'architecte s'intéresse autant, on pourrait dire, aux bâtiments, aux constructions, qu'aux espaces publics et aussi qu'aux projets urbains. Donc il y a une dimension, en tout cas dans le travail de l'agence, il y a l'intégration d'une dimension à plusieurs échelles, et d'une architecture qui ne concerne pas que la mise en forme, la question spatiale, mais qui s'intéresse aussi à la question temporelle. Et j'ajouterais surtout, il y a depuis le début de l'agence une dimension de recherche à l'agence, donc qui à la fois travaille à partir des projets, c'est-à-dire qui opère, on pourrait dire, un travail critique à partir des projets pour faire monter de la théorie, et qui, dans l'autre sens, à partir de la théorie élaborée, à partir du travail notamment... on va dire intellectuel, notamment d'écriture ou de recherche, tout simplement, réalimente les projets eux-mêmes. Donc en tout cas, depuis que l'agence existe, depuis le début des années 2000, depuis 2004, la recherche a toujours été très présente et elle opère un peu comme un mouvement de va-et-vient qui justement est, je pense, au cœur. Entre le travail de l'architecte qui est de faire, qui est de réaliser des choses, et la théorie, c'est ce qui nourrit véritablement le processus créatif. Dans le processus de l'agence, il y a quelque chose de très collectif, parce que depuis le début de l'agence, on a commencé par une pratique, même avant le début de l'agence, par une pratique très collective, puisqu'on avait notamment fait un diplôme à 13 étudiants, ce qui n'avait jamais été fait en France en tout cas, 13 étudiants en architecture pour passer leur diplôme. Et donc il y a quelque chose de très collectif, et on n'a peut-être pas une routine, pour reprendre votre terme, mais une façon de travailler, et le travail collectif permet d'aboutir vers des formes. Et je pense qu'effectivement, la maquette est un élément assez essentiel dans le travail de ce point de vue. Valeria, aqui, né, a gente citar pelo menos duas maquetes assim, que me chamaram especial atenção, né, dentro desse cenário, mas assim, é algo que realmente me chama atenção em todos os projetos. Né, mas tem o Étude Place du Grand Paris, né, que é o estudo para definir os princípios de projeto dos espaços públicos em torno das estações do futuro metrô do Grand Paris Express, né, 2017-2019, e também a exposição concebida por vocês para a Bienal de Veneza deste ano, né, A Terra é uma Arquitetura. Vocês têm também esse trânsito, né, com a dimensão expositiva, com artes visuais, né, e, enfim, não, é algo que realmente destoa de outros escritórios, é algo muito particular, né, que é digno de nota, assim, dentro da produção de vocês, né, já que vocês têm essa presença é muito forte, a dimensão prática, teoria articulada, e também essa dimensão do ensino, né, que é algo que está sempre presente, chama também a atenção a conceitualização do projeto, né, temos um diálogo do escritório com a discussão teórica advinda da filosofia, da sociologia, da antropologia, muitas publicações mesmo, né, que vocês fazem. E aí aparecem nomes como Donna Haraway, Tim Ingbold, Bruno Latour e Anna Tsing,
Então, se vocês pudessem falar um pouquinho mais, né, sobre como esses autores iluminam a discussão contemporânea, né, seja da produção de vocês, ou se vocês acham que a gente consegue falar um pouco mais sobre a arquitetura no campo mais expandido também. Sur les maquettes, peut-être, pour commencer. Effectivement, on a une utilisation de la maquette qui est assez libre et assez cherchante. Et qui vise pas seulement à représenter un état arrêté d'un projet, mais aussi de comprendre, comme pour les maquettes pour les places du Grand Paris, de comprendre comment la maquette peut être le projet lui-même, peut être la vie du projet aussi, pas seulement la forme du projet, mais sa vie, son utilisation. Notamment, on avait dans ce travail-là utilisé 4 maquettes pour représenter plus de 50 scènes de vie et scènes d'espace différents. Et puis, la Terre est une architecture, c'est à la fois quelque chose de l'ordre de la maquette, parce que c'est un outil traditionnel des architectes, donc ça nous intéresse d'utiliser cet outil traditionnel. Et en même temps, c'est une installation, c'est une œuvre, je dirais, donc ça va au-delà de la maquette. C'est une pièce qui fait 7 mètres par 3,50 mètres, donc c'est très vaste. Et donc, c'est vraiment au-delà de la maquette, c'est-à-dire c'est quelque chose autour de laquelle on va tourner. C'est une pièce qui vous invite à vous déplacer, qui représente une sorte de terre fictive et dans laquelle effectivement il y a un lien très fort avec le livre qu'on a écrit qui s'appelle La Terre est une architecture et qui fonctionne un peu en diptyque. Donc c'est vrai que dans ce livre on fait appel à des auteurs, à des penseurs que vous venez de mentionner, et à des concepts qui nous intéressent beaucoup pour essayer de repenser la question architecturale comme la question terrestre et de les penser ensemble. La maquette est à la fois une construction, donc elle pose des questions constructives, elle est déjà une architecture construite, et en même temps forcément elle atteint un certain niveau conceptuel, puisque c'est effectivement une abstraction en quelque sorte. Typiquement les maquettes du Grand Paris par exemple, chercher évidemment à montrer une situation d'espace public, la scène dont parlait Pierre-Alain. Mais en même temps, on voyait déjà que par la façon dont cette maquette était réalisée, le fait de donner à voir l'épaisseur du sol, la dimension plutôt tellurique, même la composition de ce sol, avec le fait de compléter ce travail de maquette par un travail photographique, donner à voir aussi l'importance justement d'un espace public qui n'est plus uniquement le dessin d'une configuration de transformation de la pellicule du sol, mais celle de la transformation d'une situation qui a à voir avec l'épaisseur terrestre. Donc effectivement, on voit bien qu'à chaque fois, la maquette peut porter non seulement des questions spatiales, mais aussi renvoyer beaucoup plus largement à une dimension conceptuelle qui questionne la composition terrestre, l'environnement climatique de ce qui est dans l'air, et la façon évidemment de pouvoir transformer le sol pour occuper cette portion terrestre. Peut-être on peut essayer de répondre à votre deuxième question sur les auteurs, parce que on est assez imprégné et influencé par les auteurs contemporains qui sont pas des architectes. Enfin, on lit aussi des architectes, mais les auteurs que vous avez cités, Anat Singh, Donna Haraway, Bruno Latour, Tim Ingold, etc., Philippe Descola, sont des auteurs qui ont essayé de penser la question terrestre, la question écologique, la question du rapport entre l'homme et la Terre, justement. Ce sont des philosophes ou des scientifiques qui se posent la question de la Terre d'une nouvelle manière. Et ça nous intéresse beaucoup parce que je
pense que ces gens-là, avec tout un tas d'autres scientifiques, évidemment, ont montré que la Terre n'est pas un décor, la Terre n'est pas un élément figé sur lequel les humains se posent. Ils ont montré qu'en allant au-delà de l'opposition nature-culture habituelle, il fallait essayer de penser l'enchevêtrement, pour reprendre le terme de Donna Haraway, l'enchevêtrement entre toutes les parties de la Terre. C'est le travail qu'on a essayé de mener dans ce livre « La Terre est une architecture » et qu'on essaye de donner à voir dans l'installation qui est à Venise. L'idée, c'est que l'architecture, ce n'est pas ce qui est posé sur la Terre. Or, classiquement, on pense que l'architecture, c'est ce qui est posé sur la Terre. Si vous dites à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que c'est que l'architecture ou à quoi tu penses quand tu penses à l'architecture, il va penser aux édifices, aux immeubles, à ce qui est, et il va sans doute penser à quelque chose qui est posé sur la Terre. Et à cette idée que l'architecture et la Terre sont en fait en opposition, sont séparés. Nous, on aime à penser que la ville, c'est comme une terre soufflée. L'architecture, c'est un morceau de terre qu'on a transformé, on a puisé de la matière, on l'a assemblé autrement, on a construit quelque chose. C'est un acte éminemment culturel et rationnel, et en même temps, il est très ancré dans les réalités de ce que nous donne la Terre, de ce qu'est la Terre. Anat Singh nous raconte aussi beaucoup de choses très intéressantes sur les infrastructures, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur les infrastructures. L'infrastructure doit devenir une notion ou un concept, plus que simplement des objets techniques. De la même manière, si vous dites à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que c'est que l'infrastructure, il va penser aux infrastructures au pluriel et il va penser à des routes, des ponts, des voies ferrées, des objets techniques qui servent les hommes. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les infrastructures nous font vivre ou nous animent ou nous dirigent autant que l'inverse. L'infrastructure doit être pensée peut-être d'une manière plus conceptuelle que uniquement en tant qu'objet, et notamment l'idée que l'infrastructure, c'est en fait une forme de médiation entre les hommes et la Terre. C'est une façon de rentrer en contact avec la Terre. Pour habiter la Terre, les humains ont besoin d'une infrastructure. Un peu comme l'araignée a besoin de la toile pour vivre, former son territoire et arriver à se nourrir notamment. Les humains ont besoin d'infrastructures. Et donc, ce n'est pas seulement l'objet, c'est aussi le concept qui nous intéresse. Vou aproveitar o momento que chegamos aqui na conversa para trazer um pouco do tipo de produção que era típico de uma certa produção da arquitetura dos anos 60 e 70, né? As chamadas neo-vanguardas, que a gente tem um escritório italiano como um super estúdio, a gente tem o austríaco Hans Holling também, que o Hans Hollings, ele escreveu um manifesto chamado Tudo é Arquitetura, né? Everything is Architecture. E naquele momento ele estava tentando dar conta de, digamos assim, trazer uma série de discussões que estavam acontecendo para fora da arquitetura e dizer isso é arquitetura. A mediatização, a grande preocupação na época era a mídia, enfim, as TVs, a aldeia global. Então isso tudo estava sendo trazido para a arquitetura. E o superestúdio, por sua vez, eles estavam fazendo uma espécie de parábolas da tentativa da arquitetura abarcar a Terra de uma forma ficcional. Eles chegaram a usar uma expressão que era a superfície, né? Que seria a Terra otimizada e o ser humano otimizado também para habitar esse planeta por inteiro. Claro que isso tudo era extremamente ficcional, né? E eu percebo que, em grande medida, eles estavam... Era uma tentativa, em alguns momentos, de arquitetura abarcar tudo. Ela é capaz de resolver todos os problemas. E, em outro momento, já era uma arquitetura rindo de si própria, porque ela não foi capaz de dar conta de todos esses problemas. E aí, a impressão que eu tenho, né, que vocês usam também no,
num projeto para Bruxelas, né, o E40, né, uma autoestrada que vocês fazem, vocês discutem a infraestrutura através de vários projetos, mas vocês falam de superfície, porém com uma abordagem completamente distinta, embora muito ficcional também, né, isso está presente em toda a produção de vocês, mas me parece que nesse momento, vocês podem realmente me corrigir se eu estiver errado, é uma leitura pessoal, de que nesse momento é como se a arquitetura tivesse, precisasse estudar muito mais todos os campos e se coloca numa situação um pouco mais modesta, muito mais modesta do que os anos 60 e 70, em que a arquitetura ela achava que podia dar conta de todos os campos. Né? Dans la démarche que vous évoquez, on était, à mon sens, dans une vision, je dirais, où l'architecture se substituait en quelque sorte à la Terre aussi. C'était dans une fiction qui partait d'un état fictif qui ne tenait pas nécessairement compte de la complexité de la réalité présente. Je pense que c'est sans doute ce mouvement-là qui, à mon sens, change. C'est-à-dire le fait de plutôt imaginer la fiction à partir de ce qui existe. Et donc considérer que, en tout cas, l'architecture doit plutôt partir d'un état présent, et que évidemment elle n'est pas seule dans les façons d'agir sur l'environnement présent, plutôt qu'un mouvement qui vous amènerait à un état où l'architecture aurait fini par se substituer à la Terre elle-même. Oui, c'est sans doute plus modeste, pour reprendre votre terme, parce que je pense que l'époque et la révolution climatique, écologique dans laquelle nous sommes renverse tout quand même. Et je pense que ce qui nous a toujours intéressé chez Super Studio, par exemple, c'est d'une part la capacité fictionnelle, la radicalité du propos, l'imaginaire, la capacité à créer un imaginaire très puissant où la technologie et le nomadisme fonctionnaient ensemble. Aujourd'hui, les choses sont les problématiques sont très différentes. Quand Hollein dit tout est architecture, nous on ne pense pas ça du tout. Et la Terre est une architecture veut pas du tout dire tout est architecture. Cette formulation, la Terre est une architecture, qui est assez ambiguë au départ, elle vise à mettre ensemble des choses qui sont classiquement pensées séparément, mais pas à dire, et au contraire, surtout pas dire que la Terre est un grand artefact maîtrisé par les humains si l'architecture était ça. Donc ça vise plutôt à essayer d'ouvrir la possibilité de regarder différemment la Terre, mais aussi de regarder différemment l'architecture. D'essayer de repenser l'architecture comme devant nécessairement appartenir à la Terre, et donc chaque architecture doit être une Terre, un morceau de Terre ou une Terre, doit être un monde qui appartient au monde dans lequel il se trouve. Donc oui, je pense que la capacité fictionnelle et la radicalité, elles restent nécessaires. Mais je pense que le fond du discours, il est très intéressant. Cela dit, avec la supersurface, par exemple, ce qui nous intéresse aussi, c'est de réinterpréter les mythes de la modernité, de la postmodernité. Et je pense quelque chose qui va avec notre époque aussi, d'essayer de repartir de ce qu'on a dans les mains, de ce qui existe, de ce qui est vraiment là et de la complexité de ce qui est là. Um outro aspecto também que mudou bastante, né, na arquitetura é a questão da interdisciplinaridade, né? Então, se os arquitetos nos anos 60, né, achavam que poderiam desenhar a Terra por inteiro, agora já existe uma dimensão muito mais rica, né, de pensar o trabalho conjuntamente com os profissionais, né? E aí eu queria saber um pouco como se dá, né, essa questão da interdisciplinaridade na produção, no pensar arquitetônico de vocês, né? Dada essa complexidade dos projetos. Existe uma figura que chama atenção na composição, né, dos projetos de vocês, que seria
responsável pela mise en récit, né, a construção de narrativa e pela conceitualização. E essa é uma figura pouco comum, né, no cenário brasileiro, em se tratando de um projeto arquitetônico. Né? Nous, on essaie depuis longtemps d'avoir une pratique vraiment interdisciplinaire, de travailler avec d'autres disciplines. Un peu à l'agence, parce qu'il y a d'autres, des gens qui ont des formations un peu variées à l'agence, mais aussi et surtout avec les partenaires avec qui l'agence travaille. Pour nous, c'est très important de trouver notamment des gens avec qui on arrive à avoir des échanges qui s'approfondissent travaux après travaux, projet après projet. Donc des vrais partenaires sur le long terme, notamment des écologues, des géologues, des pédologues, des gens qui s'intéressent justement au sol, à la croûte terrestre, parce que ça, c'est des choses que les architectes connaissent finalement pas toujours très bien. À des gens qui connaissent la matière aussi, parce que on est très intéressé par la matière, toutes les matières, mais là aussi des matières terrestres, et qui sont un peu les bases des questions constructives. Donc, de travailler avec des gens qui connaissent vraiment bien les matières, et aussi effectivement, comme vous le dites, on a essayé de beaucoup travailler avec des gens qui travaillent sur les questions de fiction, de récit, de conceptualisation, donc des gens qui ont plutôt des approches qui viennent de la littérature, de la fiction, effectivement de la mise en récit ou du cinéma, parce que c'est aussi un lien très fort avec l'architecture, parce que l'architecture, c'est une fiction, c'est essayer d'élaborer une fiction et puis d'en élaborer les règles aussi de mise en œuvre. C'est vrai qu'on travaille avec des gens qui nous apportent beaucoup de ce point de vue-là sur les questions de conceptualisation et de mise en récit. Et je pense que la mise en récit, elle est aussi, en tout cas sans doute au départ, liée au projet urbain, en tout cas un certain nombre de projets qu'on traite à l'agence qui traitent du temps long. Et dès que, en tout cas, vous avez à travailler sur des projets qui nécessitent des fenêtres temporelles assez longues, nécessairement, vous devez procéder à une mise en récit qui est un moyen de conceptualiser, de faire du projet tout simplement, d'intégrer aussi un certain niveau de complexité. Et on voit que petit à petit, ce processus de mise en récit, il a aussi pas mal orienté notre façon de travailler sur les architectures elles-mêmes, en essayant à la fois de mieux comprendre leur relation à la terre par la provenance de leur matière, par exemple, mais aussi leur capacité dans le temps à continuer à perdurer ou à se transformer. La mise en récit, elle a aussi beaucoup à voir dans notre pratique à l'importance de la dimension temporelle qui fait partie du travail de l'architecture un peu à toutes les échelles. Existe uma curiosidade muito grande, né, a respeito da abordagem justamente de vocês, a relação entre arquitetura e tempo. E aí vocês tomam de empréstimo, né, esse termo do audiovisual, o roteiro, o script, enfim, para se opor a... E aqui é basicamente um pequeno resumo das palavras de vocês. É o uso do roteiro para se opor a um termo comum ao meio arquitetônico, que é o planejamento, né, ou planificação. Enquanto o planejamento se aproxima de uma tentativa de uma imagem fixa no futuro a ser alcançada, o roteiro se mostra mais flexível a reformulações, né, sendo possível integrar a incerteza, o questionamento e a reorientação da proposta. Então, nesse sentido, a escrita de roteiro se mostra mais alinhada com a relativização e dúvida de nossos tempos, né? E essa dimensão da arquitetura é conduzida por um roteiro, se aplica à proposta de vocês, né, para o E40, essa estrada que vocês falaram um pouco aqui, e também da Ouvrage Plage,
Ouvrage Place du Grand Paris. Como essa abordagem dos roteiros implica, né, em diferenças metodológicas em relação ao planejamento habitual? Le travail que l'on a mené dans cette lignée-là, il est né d'un travail qu'on faisait quand on appartenait à l'Atelier international du Grand Paris, qui était donc un atelier chargé de travailler sur le Grand Paris, les 12 millions d'habitants et l'échelle de territoire très vaste. Donc échelle spatiale très vaste et échelle temporelle très vaste. Et la France, comme bien d'autres pays, mais la France est a été assez forte de ce point de vue-là, a développé des outils de planification très, très puissants. Si le travail des spatialistes, et notamment des architectes, c'est de prévoir la transformation spatiale et de planifier, de faire un plan, comme son nom l'indique, pour faire cette transformation, il faut reconnaître aujourd'hui qu'on est dans le régime de l'imprévisibilité. C'est pas seulement l'incertitude, c'est l'imprévisibilité. La question climatique ou écologique de manière plus large, et comme la question sanitaire aujourd'hui, le montre à tout le monde. Plus personne ne peut nier cette question de l'imprévisibilité. Donc c'est très paradoxal de devoir faire de la prévision dans un régime d'imprévisibilité, de devoir planifier et dire « ça sera comme ça », alors qu'on est dans un état d'imprévisibilité très très fort. Et donc, on s'est intéressé à des méthodes de travail qui étaient différentes de la planification. Parce que la planification, elle a tendance à dire « je fais un plan et je vais mettre en œuvre ce plan ». Donc ce plan, il est pour dans 20 ans, 30 ans. Et ce plan, finalement, c'est un état figé, un état arrêté. Ce plan, il pose beaucoup de problèmes parce que, au-delà du fait que maintenant, avec les conditions économiques dans lesquelles nos pays se trouvent, mais aussi avec ce régime d'imprévisibilité, on n'est plus capable de garantir qu'on va atteindre ce plan. Mais il pose d'autres problèmes. Un problème assez fondamental qui est que ce plan, il énonce la supériorité du moment futur sur le moment présent. Il présuppose que ça sera mieux quand on aura réalisé ce plan. La vie sera plus belle plus tard parce qu'on aura fait ce plan. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moins bien que demain. Et ça, c'est une idée qui est bien sûr historiquement liée au progrès, mais c'est une idée problématique parce que, en tout cas pour nous, très sincèrement, on ne vit pas de cette manière-là. Et je pense que les gens ne vivent pas de cette manière-là, ne vivent pas en se disant « ma vie sera beaucoup mieux demain ». Il faut que la vie soit bien ou qu'elle ait des qualités tout le temps. Donc nous, on ne souhaite pas que le projet pose comme difficulté d'énoncer la supériorité du futur sur le présent. Alors, on a beaucoup regardé, notamment, effectivement, des questions de script, c'est-à-dire de l'écriture d'une histoire qui dure. La planification n'est pas forcément une histoire qui dure, c'est encore une fois une image finie, arrêtée et idéale. Alors que le script est une histoire qui dure. En français, nous, on a utilisé le mot « scénarisation » pour le différencier du mot scénario, parce que scénario est utilisé aussi en architecture ou en urbanisme comme étant une version, une hypothèse, une façon de voir les choses. On peut faire un scénario 1, un scénario 2, un scénario 3. La scénarisation, c'est plus comme le script de l'écriture d'une histoire qui dure. Mais c'est ancré dans toute une histoire, comme le roman feuilleton, et même de façon plus ancienne, l'Iliade et l'Odyssée, ou l'histoire orale qui se transmet.
L'histoire qui dure, c'est quelque chose de très ancien, là aussi, et de très ancré dans des traditions humaines. Et la version contemporaine, la plus stimulante, peut-être, en tout cas ces dernières années, c'est effectivement la série télévisée. Et en plus, la série télévisée a quelque chose de très accessible, de très populaire maintenant, qui nous intéresse, parce que ça rend les choses aussi très compréhensibles par tout le monde. Et donc, la scénarisation, elle, inspirée des séries télévisées, ça vise à faire du projet en partant du moment présent, en partant d'aujourd'hui, en s'appuyant sur les conditions existantes. Ça suppose donc de les connaître, d'en faire une observation poussée et continue. On ne connaît jamais totalement, et comme c'est tout le temps en train de changer, on ne connaît jamais de façon finale et arrêtée. Donc, il faut observer l'existant. Et puis, il faut imaginer des saisons qui s'avancent vers le futur. La planification, elle a imaginé, pour pallier à ses faiblesses, elle a imaginé ce qu'elle appelle le phasage. C'est-à-dire qu'une fois que la planification a fait son image finale idéale, elle le découpe en morceaux de temps qui sont des phases. Mais le vrai problème des phases, c'est qu'elles sont toujours en attente de la phase d'après. Elles sont toujours incomplètes et donc elles sont toujours insatisfaites. C'est tout à fait différent. C'est quelque chose qui est valable en elle-même, qui a une valeur spatiale, temporelle, en elle-même. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur en s'inspirant des séries télévisées, sur ces questions de méthodologie et donc... sur ce qu'on a appelé la scénarisation, avec ces deux dispositifs, les saisons, et puis oui, j'ai oublié de mentionner ce qu'on appelle la Bible, enfin ce que les scénaristes plutôt de séries télévisées appellent la Bible, c'est-à-dire un document un peu général qui donne tout un tas de fondamentaux vers lesquels on essaye de tendre. Et c'est vrai que dans la conception, ce processus de scénarisation, il est très fécond, parce qu'il amène à reconnaître que le temps de conception du projet est lui aussi sans cesse à renouveler. Donc, ce qui effectivement est très stimulant, c'est-à-dire que vous vous engagez dans un projet long, mais vous allez devoir systématiquement considérer que ce projet est amené à s'adapter, à évoluer, à se re-questionner, à faire interagir de nouvelles personnes pour l'enrichir. Donc, c'est aussi une façon d'avancer dans le projet de manière beaucoup plus inclusive et aussi évidemment d'aller beaucoup plus loin puisque vous êtes là capable d'intégrer beaucoup plus de complexité. Comment as preocupações ambientais dos dias de hoje alteram ou condicionam a metodologia de projeto, a escolha dos materiais propriamente, né? Além do que a gente discutiu aqui, essa questão da temporalidade que faz tá em completo encontro, né, com as questões ambientais. Como as preocupações ambientais mudam la pratique, né, de l'architecte. Elle modifie très en profondeur et de plus en plus. En plus, nous sommes issus d'une génération qui, à la fois, est née sans doute déjà avec la conscience de ça. Par exemple, le fameux ouvrage des Meadows, Limits to Growth, qui est publié début 70, je crois, montrait déjà, donc dès les années 70, on sait, on commence à savoir, en tout cas, et même avant, après-guerre, on sait déjà toutes ces questions de limites planétaires, de questions écologiques qui n'ont fait que se renforcer. Mais en même temps, on est né dans un pays, on est issu plutôt d'un pays... industrialisé, dit riche dans la géopolitique globale, et qui ne manque de pas grand-chose, et qui s'est construit avec cette idée de progrès, avec l'idée qu'on ne manque de rien, et même le choc pétrolier, parce qu'on est né dans ces années-là, ne remet finalement que peu en cause les choses. Et finalement, quand on apprend l'architecture à l'école d'architecture à la fin du XXe siècle,
les problématiques écologiques, elles sont sans doute pas du tout assez présentes par rapport à la conscience qu'on aurait déjà dû avoir de ces questions-là. Donc, je dirais, nous, on vit une révolution de ce point de vue-là, comme tout le monde, mais je crois que ça modifie très en profondeur les questions qu'on se pose. Je pense que notre travail sur la Terre est une architecture, comme notre travail depuis le début d'ailleurs sur les infrastructures, est très lié à ces questions-là, à l'idée qu'il faut absolument réutiliser tout ce qu'on a déjà fait, que la modernité a déjà produit et que on est dans l'époque où il faut en tirer profit dans le meilleur sens du terme, quoi. C'est-à-dire on a déjà beaucoup investi, beaucoup construit. Ça pose des questions énormes parce que ce qu'on a construit est très fragile, en fait, finalement. Les matériaux avec lesquels on l'a construit, le fait que le béton et ses aciers, quand on voit le pont Morandi qui s'écroule, on voit bien que les infrastructures ne sont pas aussi pérennes. Enfin, ça dépend comment elles sont construites, mais elles ne sont pas aussi pérennes que d'autres parties de la Terre. Mais en même temps, quand on voit que la Terre elle-même se modifie très très vite, quand on voit les glaciers qui fondent ou les mers de glace qui s'écroulent, il y a une sorte de correspondance entre la fragilité de la construction humaine et la fragilité de la construction terrestre. Et ça nous pousse évidemment, je dirais, dans deux directions, à la fois vers des matériaux. Par exemple, on construit un grand projet à Paris, dans le centre de Paris, en pierre massive porteuse, qui est apparemment le plus grand projet en pierre massive porteuse depuis l'époque de Haussmann. Donc à la fin du 19e siècle, quand Haussmann a construit Paris. Ce qui ne veut pas dire que c'est un projet de la même ampleur que Haussmann, bien sûr, mais ce qui veut dire qu'on avait perdu l'habitude de construire en pierre massive porteuse. Donc ça, c'est une des directions, c'est-à-dire travailler avec des matériaux locaux, simples à mettre en œuvre et aussi robustes et qui sont beaucoup plus économes en carbone. Et puis l'autre direction, je dirais, c'est aussi transformer l'outil productif. C'est-à-dire que nos pays industrialisés, ils ont des outils productifs très puissants. Et plutôt que de les mettre à la poubelle ou de les refaire intégralement, il faut essayer aussi de les réutiliser, de les transformer vers des savoir-faire plus écologiques, moins consommateurs en carbone. Donc, par exemple, ça, c'est des réflexions sur le béton, puisque le béton est encore le matériau dominant dans la production architecturale mondiale, d'essayer de trouver comment est-ce qu'on pousse l'industrie à transformer le béton, à en faire moins, mais en faire aussi de façon beaucoup plus écologique. Eu só tenho realmente à agradecer por essa conversa instigante de hoje. Nous aussi, on est très, très contents de cette conversation. On a beaucoup apprécié le temps que vous avez pris à essayer de rentrer dans notre travail et de le comprendre. Et on a apprécié la précision et le travail qu'il y avait derrière dans vos questions. On a des bons souvenirs, des souvenirs émus de São Paulo et de réflexions sur les infrastructures, sur le fameux Minhocão ou d'autres. Qui est un des exemples, on en avait beaucoup parlé dans une conférence sur la scénarisation, qui est un des exemples. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits d'ailleurs artistiques sur le Minhocão, donc c'est toujours un plaisir de repenser à ça et d'être en contact avec le Brésil. Merci beaucoup à vous. Muito obrigado.